sur nos meubles. On a été cambriolés. Non, je ne crois pas. Ah, bonsoir. Vous m'apportez un petit coussin, c'est sympathique. Qui t'a dit que tu pouvais apporter ces meubles dans le garage? Willy? Non, 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 mais pas du tout. Ben, tu as dit que je pouvais apporter quelque chose de la maison. J'ai dit que tu pouvais apporter quelque chose, je n'ai pas dit toutes les choses. En fait, très franchement, tu n'as quand même pas été clair à ce point-là. Il a vraiment tout apporté. Je n'ai pas pris l'horrible horloge qui a la forme de la Statue de la Liberté. Cette horloge est un cadeau de ma mère. Est-ce que j'ai dit horrible? Ah, je voulais dire ravissante. Tout le portrait de ta mère. C'est le four à micro-ondes, ça. Quelqu'un veut un petit biscuit? Personne ne veut de biscuit. Alf, tu remets tous ces meubles à leur place dans la maison ce soir et j'ai bien mis le mot tout en exergue. Et moi, je mets en exergue ce soir. Si tu ne le fais pas, tu vas vivre dans ce garage de façon permanente, tu entends? J'ai remarqué que tu as mis en exergue le mot permanent. Non, attendez, ne partez pas. Non, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut bavarder un bâton rompu, hein? Accordez-moi une petite minute. Très bien. Bon. Oui, tu as droit à une minute. Ah, merci. Non, t'assieds pas là parce que ça, c'est mon fauteuil. C'était mon fauteuil dans la maison. Oui, mais on n'est pas dans la maison. 40 secondes. Non, mais alors ça, c'est pas juste. Willy a parlé, lui aussi. Faut le pénaliser. 35. Bah, c'est le départ du boldo ou quoi? 30. 30 secondes? Mais j'avais une minute, qu'il n'y a pas une demi-minute. Oublie ta minute et dis-nous ce que tu veux nous dire. Bonne nuit, Alf. Non, j'ai besoin de la fraternelle compagnie d'un humain. Je ne sais pas comment j'ai pu m'y habituer, mais ça y est, je suis un intoxiqué. Je suis un humanoïdomane. Par pitié, partez pas. Alors, vas-y, Kate, tu peux rentrer. Moi, je vais rester avec lui encore quelques instants. Mais qu'est-ce que tu veux faire? J'ai l'impression qu'on lui manque beaucoup, beaucoup. Oui, c'est vrai. Oui. Willy, il a pris nos meubles, il a pris nos biscuits, et maintenant il nous veut, nous. Oui, tu as raison, bien sûr. Oui, tu as raison. Tu restes ici, dans le garage, et puis sans nous. Tu n'auras pas de nos biscuits. Bonne nuit, Alf. Kate, attends, non, je t'en supplie. Donne-moi une autre chance. Je sais que je peux changer. Laisse-moi rentrer à l'intérieur pendant une semaine et je te le prouverai. J'aurai une conduite tout à fait exemplaire. Supposons qu'au cours de la semaine, il n'y ait pas de changement. Alors, Willy et moi, on s'installe pour de bon ici. Eh bien, marché conclu. Chérie, moi, je veux pas m'installer ici. Oh, mais je n'ai pas dit que ça faisait partie du marché. Le voilà, notre accord. Tu restes à la maison une semaine, mais à la première bourde, tu disparais. Ah ben, c'est bien. Pas de problème. La semaine n'est pas commencée, je suppose. Hein?